qui va du côté. Salut. Deux secondes. Proche. Toi, je vais t'emmener après. Deux secondes. J'ai pas compris là. Alors, je voulais te dire, tu es au téléphone avec... Non, je ne pas te Ah bah ok, ouais, je voulais juste te dire, j'aime bien ton style. Merci, je sais que ça se fait pas quand tu es au téléphone. Oui, ça se fait pas. Et je suis vraiment là, c'est important. Ok, bah c'est important ce que j'avais à dire bah, aussi. Oui, désolé. Bah, sois pas désolé. Bah alors tu attends. Ah bah j'attendrai. Combien de temps tu... Non bah oui mais là je suis à Bastille chérie, je peux plus marcher autant. Bon écoute je me fous dans un bar et je bois et puis si t'arrives et que je suis ivre et ben tant pis pour toi. Ok, enfin je me serais peut-être fait kidnapper par l'espèce d'anglais ou je sais pas. Putain les balles. Ou les... je sais pas quel accent il a mais si je me fais enlever et violer ce sera de ta faute. Bon il est pas très, très épais donc je pourrais peut-être me débattre mais vas-y je suis chute. Voilà. Ok chérie, bisous à tous. J'aime bien que tu m'as traité de violeur anglais, même avant de me connaître. Je t'écoute, bonjour. Ah bonjour, mais moi c'est Andrew, je suis un violeur de Londres. Voilà, je suis venu te kidnapper et te violer, voilà, c'est le projet de la soirée. Mais tu es fort là, je ne vais pas m'attraper. Comment? Dis-moi. Tu parles super rapidement, franchement, bah oui, tu ralentis un peu quand oui, même. Pardon. Non mais en fait, ce que je dis, tu m'as dit, prends, comprends pas, non? Déjà oublié. Bravo. Je suis connard. Oh, violeur, connard en même temps. Non mais en fait, j'étais là-bas, je tourne un peu. On va moi aller... J'adore une on allait sortir Weed Lab ce soir, mais j'ai changé parce que je t'ai entendu dire que tu y allais. Ah, eh ben... Non, mais je vais ailleurs. Ça, c'est et, ça. Ouais, tu valides ou non? Moi, en fait, depuis que je suis ici en France, il n'y a personne qui rigole quand j'ai... Ah ouais? Ah, c'est souriant, ça se voit. Dis-moi, parce que du coup, il faut que je bouge. Tiens, en retard, pour faire la fête. Retard, non, mais en fait, je t'avais dit, j'aime bien ton style. Et je me suis je voulais apprendre un peu plus de français. Et je vais venir te dire salut, Bah, ça va, quoi. Bah, voilà, tu vas parler avec moi, mais c'est très gentil. Je suis un petit peu old school, mais ça. Old school, hein? Ouais, je me disais que tu avais même pas encore 30 ans, mais tu approches tes 30 ans, alors. Oh, non, je dis pas pour être gentil. Tu t'es dépassé déjà. Ah ouais, moi aussi, t'inquiète. Bah oui, à mon avis, t'es plus jeune que moi, en fait. Moi, je te donne... Attends, je vais deviner. Sinon, c'est chiant, je ne suis pas là pour poser de questions. Alors, à mon avis, tu as 70 ans. 72. Ah, 72, putain, ma dernière copine avait 72 ans. Je voulais un peu plus jeune. Eh ben voilà, bah, je vais être obligé de te laisser. Vu que toi, tu dois en avoir 85. Je sens que tu veux vraiment partir. Ouais, tu en as marre de l'anglais qui te non, fait chier pendant tout. Deux bah, minutes. Tu me suis, moi, je me suis dit, si j'ai raté, je t'ai raté pendant une minute. Comment ça? Non, on va boire avant, si tu veux. Nous deux. Bah moi j'attends ma copine, donc après tu fais ce que tu veux. Attends, bah on va à Huit-Lap pour un petit verre alors. Non mais je j'en ai deux minutes, là, hein, c'est tout. Avant Huit-Lap. Bah tu sais quoi, j'ai cinq minutes, on va prendre un tout petit verre, vite fait. Après bah, je me barre, que parce que j'ai un pote qui me vient. Tu n'es pas obligé de boire un verre. Bah, je bois un bon verre d'eau. Bah, verre d'eau. Tu m'apprends en français aussi parce que c'est. Oui, mais alors et... ça fait un peu crevard ça de rentrer dans un bar et demander un verre d'eau. Ah oui. Pour dire que tu crains là. Ah ouais? Bah grave. Oui. Ah bah oui. Je suis vraiment un là, connard d'anglais. Là quoi. Ça va faire connard d'anglais là. Ouais. Surtout que vous buvez toujours du bien. C'est l'image que je voulais envoyer. Parce que... Je te fais la bise. Hein. Allez, je te fais la bise. Mais à bientôt. Je vais quand même prendre ton numéro. Tu as le droit de ne pas répondre. Et on va se caler pour prendre un verre. Pourquoi tu rigoles? C'est pas une blague. Ça, c'est pas l'humour anglais là. Mais attends, c'est nul de dire je prends ton numéro déjà sans me demander la permission. Et en plus, ah, mais je suis obligé de demander la permission. Attends, là, c'est ma grand-mère pour le coup. Ah oui. Dis-nous, je peux te rappeler. Salut à ta mamie de ma part. Oui, mais là, excuse-moi, je suis débordée. Bah oui, je sais justement, c'est pour ça. Donc, je te rappelle plus tard.
Parce que c'est compliqué, elle m'a pris des papiers, elle m'a mis. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu foutage de gueule. Donc laisse tomber quoi. T'as compris. Je te rappelle même là. Oui, bah, on se rappelle après le resto. Parce que moi j'attends pas ma camp. Ok. Bisous. Alors, est-ce que tu aurais la gentillesse, voilà, l'amabilité, c'est un nouveau mot pour moi, de me donner ton numéro de téléphone. Mettre ton putain de numéro dans mon portable. Alors, c'est 06 ou 07 ? 23. Attends. T'as de la chance que je sois de bonne humeur. 06 ? 23. Ah merde, j'aime pas les nanas avec de bonne humeur. Moi, j'aime la chiesse plutôt. Putain, mène-toi parce que j'ai pas le temps. Moi, ça. Ah là, c'est mieux, tu as appris. Attends, 06, 23. Et voilà, tu vérifies et tu m'emmerdes pas. Parce que là, il faut que j'aille m'asseoir. Ouais, mais il faut pas que tu m'appelles à 1h du matin quand même. Bah, là, si. je dors beaucoup, moi. Bon, ça fonctionne. Ah, bah, sinon, je t'envoie un message, t'inquiète. Attends. C'est parti, c'est pressé que ça d'avoir mon numéro. Ah, bah, si, maintenant. Ah, ouais, c'est mais là, appelle pas ton truc de merde. T'as pas fait plus 33, c'est un numéro anglais que t'as. Non, c'est un numéro français, j'habite ici. Bah, non, c'est juste que ça capte pas. Je t'envoie un message après. C'est mon vrai numéro, hein. Bah, je te fais les bisous. Encore, putain. Ouais, je suis anglais, j'aime bien embrasser. Allez, bonne soirée. Non, merci.